moi c'est pas important. Il est réparé là. Le barrage de Bimont, alimenté en eau du Verdon, assure l'approvisionnement en eau, notamment des villes d'Aix-en-Provence et de Marseille, et des secteurs industriels et agricoles. De par sa grande capacité de réserve, il permet également d'atténuer les impacts des crues. Le barrage est aussi équipé de deux microcentrales hydroélectriques. En cas de besoin, celle située à l'amont peut fonctionner en mode pompage pour réalimenter en eau le réseau amont. La construction du barrage de Bimont a duré 5 ans et a été financée dans le cadre du plan Marshall. Il a été mis en service en 1952. À partir des années 60, des fissures sont observées à certains endroits de l'ouvrage. De nombreuses études sont dès lors entreprises pour surveiller l'ouvrage et assurer la sécurité des populations vivant en aval. Les études ont démontré que les désordres apparaissaient seulement autour de quelques blocs de béton de la rive droite et trouveraient leur origine dans un défaut des ciments fournis à une certaine période du chantier. Ces ciments, livrés trop chauds, ont entraîné le développement d'une réaction chimique appelée réaction sulfatique interne, à l'origine d'un gonflement du béton et d'une fissuration à la périphérie de ces noyaux gonflants. Au même moment, ce type de phénomène est observé sur d'autres ouvrages de génie civil en France. Ce phénomène est aujourd'hui stabilisé et ne remet pas en cause la sécurité des populations. Comme pour tout ouvrage de ce type, le barrage de Bimont fait l'objet d'une surveillance quotidienne par une équipe d'agents d'exploitation et d'ingénieurs spécialistes. La surveillance mise en œuvre est encadrée et contrôlée par les services de l'État. Le barrage de Bimont est ainsi équipé de nombreux instruments d'auscultation, piézomètres automatiques, télépendules, téléfissuromètres et compteurs topographiques qui permettent de suivre en permanence l'évolution structurelle du barrage. Ce suivi a permis de constater la stabilisation des phénomènes de gonflement et donc de donner le feu vert pour les travaux de remise en état. À compter de 2016 et au cours des trois prochaines années, le barrage de Bimont va faire l'objet d'importants travaux de rénovation, qui ont pour but de rénover l'ouvrage, anticiper les besoins en eau de demain, améliorer l'accès au site et répondre aux objectifs réglementaires et contractuels. Le budget de l'opération s'élève à 20 millions d'euros. Pour imaginer et dimensionner le projet de rénovation de la voûte, les équipes de la SCP ont lancé les études préliminaires et les reconnaissances nécessaires en s'appuyant sur l'expertise du bureau d'études spécialisé dans les barrages Tractebel Engineering, Cogne et Bélier, lui-même concepteur du barrage de Bimont. Dans un premier temps, pour assurer la continuité du service de l'eau, une conduite de dérivation a été créée avec le percement d'un tunnel au sein de la colline en rive droite du barrage. Le dispositif de suivi et d'auscultation du barrage a été renforcé avec l'installation de nouveaux capteurs automatiques et d'un dispositif de télétransmission des données. La vidange du barrage a débuté en avril 2017 et s'est terminée à l'automne 2017. La sec de la retenue durera jusqu'au printemps 2019. Les travaux de rénovation de la voûte ont débuté en septembre 2017. Renforcement du barrage par barre d'ancrage, injection des fissures préalablement clouées, réalisation d'un rideau de drainage au pied aval du barrage, renforcement des culées par tirant d'ancrage, et enfin, pose d'une géomembrane d'étanchéité sur le parement amont de la rive droite. Ces travaux s'échelonneront de fin 2017 au printemps 2019. L'entreprise de Mathieu Hébard mène actuellement les travaux de rénovation de la voûte,
Un échafaudage a été installé pour permettre l'accès aux parements aval de la rive droite, tout en prenant en compte la sécurité des compagnons à toutes les étapes du chantier. Une grue à tour a été installée pour faciliter la manutention du matériel et permettre en toutes circonstances l'accès à la crête du barrage pour les secours et les exploitants du grand site Sainte-Victoire. La réalisation des forages d'ancrage et d'injection est en cours. Ces travaux dureront jusqu'au printemps 2019. Ces travaux d'envergure ont fait l'objet d'une étude d'impact, d'autant plus que le barrage est situé au cœur du site classé Grand Site Sainte-Victoire. Bien que les impacts relevés soient faibles, de nombreuses mesures ont été prévues pour mieux protéger les secteurs sensibles, avec un déroulement des travaux en fonction du calendrier biologique des espèces. En concertation avec l'architecte des bâtiments de France, le projet a également été adapté pour réduire les impacts paysagers des aménagements et permettre aux quelques 200 000 visiteurs annuels de continuer à profiter pleinement de ce site exceptionnel. Le projet a été déclaré d'intérêt général par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 15 décembre 2015. Ces travaux permettront à terme de reconstituer la pleine capacité de stockage de la retenue, la faisant passer de 14 à 25 millions de mètres cubes, tout en maintenant un haut niveau de sûreté de l'ouvrage, même en situation exceptionnelle. L'alimentation en eau pour tous les usages sera ainsi assurée pour l'avenir, dans un contexte d'accroissement de la demande et d'évolution climatique. Merci pour votre attention. Le site actuellement est en exploitation et donc également en travaux. Donc c'est pour ça qu'il y a des consignes de sécurité à respecter. Donc notamment, bien rester avec votre groupe. Donc on vous a donné des étiquettes. Donc respectez ces étiquettes-là. Suivre le guide. Des zones ont été balisées, donc ne pas les dépasser. Soyez vigilants lors de vos déplacements. Lorsque vous serez sur la crête, donc très important, ne pas vous pencher par-dessus la crête, ne pas jeter d'objets par-dessus la crête. Et lorsque vous descendrez en pied de barrage, donc on va vous fournir des casques, donc soyez vigilants à la descente des marches et tenez bien la rampe d'accès. Voilà. Je vous souhaite une très bonne visite. Le barrage du Biment est situé au centre de la SCP. Il est alimenté à 90% par les eaux du Verdon qui arrivent en amont de la campagne. Je ne rentre pas dans les détails, c'est l'un de mes collègues qui vous expliquera tout à l'heure. Et 10% restants, c'est des eaux de ruissellement qui arrivent en face de Ferlet. Tout ceci est stocké après au niveau de la retenue qui est juste derrière. Et après tout ceci transite par des vannes qui sont situées au pied du barrage et repart sur l'ensemble de nos réseaux, en gravitaire, jusqu'à Marseille. Alors, au niveau de l'alimentation, un tiers de cette eau est destinée à Marseille, un tiers pour le Aix-Sud, et le reste bien sûr entre Aix et Marseille. Donc il y a plus de 14 000 postes d'eau. Des particuliers, bien sûr, des entreprises, la centrale thermique de Gardanne notamment, Alteo et Pêchelet, et bien sûr toutes les postes de communes qui sont aussi bien Gardanne, Fugo, Camouillas, Jambi, peut-être encore Bouguelaire et Simien. Alors, ici, vous êtes au local de surveillance, que nous on appelle, en parenthèse, le bunker. C'est plus facile à retenir. Comme vous pouvez le constater, il est constitué d'une supervision et d'une prise de commande que je vais vous expliquer dans quelques secondes. Au niveau de la supervision, comme vous pouvez le constater, il y a différentes données. Il y a des codes couleurs, donc vert pour ouvert, rouge pour fermé et jaune pour interdire. Ces données sont exploitées et mises au point par l'ingénierie qui va mettre au point des points précis, notamment pour des alarmes, pour que nous, en tant qu'agent d'exploitation, on puisse intervenir s'il y a un souci. Si
Je vais vous parler du rôle du barrage de Bimont dans les installations du canal de Provence et notamment du rôle des ouvrages qui sont situés en rive droite et qui sont les ouvrages dits de la campagne. Alors je pense que ça a dû être dit par ailleurs, mais en fait 90% du volume de la retenue provient des eaux du canal de Provence. Alors en fait les eaux sont prélevées à la prise de Boutre au niveau de Vinon-sur-Verdon. Sur un canal mixte parce qu'il est commun à l'ACP et à EDF. Donc à Boutre, en fait, le canal va se scinder en deux, le canal EDF et le canal de la SCP. Le canal donc, de la SCP, donc les eaux vont arriver à Riance, on va avoir un ouvrage partiteur qui va diviser les écoulements en deux branches. Une branche qui alimente le Var et l'Est des Bouches du Rhône, et une autre branche qui nous intéresse, qui alimente la région aixoise jusqu'au nord de Marseille. Cette branche, arrivée au partiteur de la campagne, qui est située plus tôt, va à nouveau se diviser en deux. Une partie alimente Aix et une partie va venir alimenter donc Bimont. Après avoir transité via une galerie souterraine, qui est une galerie de la campagne, qui est longue de 5 km. Donc en fait, les écoulements qui arrivent juste en face, en fait, les ouvrages que vous voyez juste en face, sont situés à la sortie de la galerie de la campagne. Alors, plusieurs scénarios. Soit les écoulements arrivent et viennent directement par un jeu de vannes alimenter la retenue de Bimont. Soit, autre possibilité, ils peuvent transiter via un ouvrage qui s'appelle la turbine pompe. Alors, en fait, à gauche des écoulements, vous allez voir un plan incliné. Et ensuite, vous voyez une sorte de bouchon octogonal. Ça, c'est le haut de notre turbine pompe qui est haute d'à peu près 18 mètres. Donc en fait, les eaux peuvent passer par cet ouvrage. Elles sont turbinées, donc on produit donc, de l'électricité. Avant d'être rejeté dans la réserve. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site, on a une seconde micro-centrale qui est située en pied aval du barrage et que vous pouvez voir par ailleurs en descendant juste après. Donc, cet ouvrage, je parlais de turbine pompe parce que, en fait, on a la possibilité aussi, en cas d'incident ou de casse, de pouvoir déstocker, pomper de l'eau dans la retenue pour réalimenter nos réseaux qui sont situés en amont. Et par un jeu de pompage successif, on serait même en mesure de pouvoir réalimenter des réseaux qui sont situés au niveau de Quai d'Arrache. Depuis les années 80, donc jusqu'à récemment, lors de la vidange, la cote d'exploitation du barrage de Bimont était située aux alentours de 329, soit un volume stocké d'environ 14 millions de mètres cubes. Avec les travaux de rénovation qui sont réalisés, on va se laisser la possibilité en fait de rehausser la cote du plan d'eau à la cote 342,50, soit un nouveau volume stocké de 27 millions de mètres cubes. On voit que même à cette cote, puisque la cote de la Crête est à 351, en fait on a encore un volume disponible qui nous permettrait de stocker des crues exceptionnelles. Donc pour revenir sur le rôle de Bimont, donc on a vu qu'on pouvait sécuriser donc nos avaliers mais aussi les réseaux qui sont en amont. On arrive donc à produire de l'énergie et aussi à stocker et atténuer les crues. Donc je le redis, mais effectivement les travaux vont permettre de rehausser la cote du plan d'eau. Sauf que les ouvrages de la campagne n'ont pas été conçus ni dimensionnés pour être immergés. Donc les travaux qui sont réalisés en ce moment, ils vont permettre d'une part d'assurer l'étanchéité de ces ouvrages. Il va y avoir des injections dans les terrains et un cuvelage interne qui d'ailleurs est en cours de réalisation. Il y a un renforcement mécanique aussi qui va être réalisé puisque ces ouvrages, il faut qu'ils résistent à la pression hydrostatique qui vient s'appliquer sur les parois, mais aussi à la poussée d'Archimède, il faut les lester. Et dernier point, en fait, on va mettre en place un puits d'accès avec une passerelle, puisqu'on imagine donc, que la côte va être rehaussée. Il faudra qu'on puisse intervenir sur nos ouvrages dans n'importe quelle condition. Dernier point, je ne dois pas en parler, mais on va vous en parler par ailleurs, et je pense que c'est intéressant. On va vous parler de la galerie de dérivation, celle qui permet d'alimenter nos réseaux, bien qu'on soit en vidange. Sachez qu'elle prend naissance donc, juste à cet endroit-là. Donc, comme on va vous en parler, vous aurez visualisé. Voilà.
Merci. Alors, les jetés pour les panneaux, le temps aussi, il y a 13 minutes. Voilà. Donc, bienvenue au pont de Crète. Donc, je me présente Agata Sferatore. Donc, j'étais en charge de la partie environnementale des travaux. Je vais vous parler de l'environnement. Juste un petit rappel sur le barrage en lui-même. Vous venez donc du point où vous avez pu observer l'arrivée de l'eau dans le barrage. Vous avez vu le film qui décrit les travaux. Donc, en quelques mots, on est sur un barrage à double courbure. Donc, double courbure, la courbure que vous voyez par la crête déjà. Et il y a aussi une courbure de haut en bas qui a été une contrainte supplémentaire pour les travaux parce que l'entreprise qui les réalise, des Mathieu Barre, a dû s'adapter à cette forme du barrage. Donc, ils ont créé des échafaudages faits sur mesure pour ce site pour pouvoir intervenir. Pour ceux qui descendront en bas, il y aura une description plus détaillée des travaux. Je vais du coup juste en parler un tout petit peu. Donc vous avez vu par la vidéo, on vient combler des fissures existantes qui sont dues à un phénomène de gonflement du béton qui a été mis en évidence dans les années 60 et qui a été suivi jusqu'à maintenant. On profite de la vidange des travaux qui est nécessaire pour les réaliser, pour inspecter les organes de vidange. Donc il y aura des modifications aussi des vannes qui sont au pied du barrage. Il y aura la pose d'un voile de drainage qui permettra d'évacuer des pressions interstitielles sous le barrage. Donc ce n'était pas une obligation il y a quelques années, corrige-moi si c'est juste voilà, à la mise en eau du barrage, en tout cas ce n'était pas prévu de le faire. Donc là on va l'équiper pour qu'il ait tout ce qu'il faut. Et on va aussi mettre une membrane d'étanchéité à la fin des travaux pour éviter le contact de l'eau avec la paroi amont parce que l'eau crée une synergie avec ce phénomène de gonflement du béton. Donc la membrane permettra de limiter la revenue de ce phénomène. Donc je vous parlais d'environnement. Il y a deux volets qui ont été traités dans ce projet. Donc la partie paysage et la partie milieu naturel. Donc pourquoi le paysage? Parce qu'on se trouve dans deux sites classés, un qui est celui de la montagne Sainte-Victoire, pente aussi par Cézanne, et qui est très vaste, et aussi le barrage, le site classé des barrages de Bimont et Zola. Donc le barrage lui-même est un site classé et il a fait l'objet de discussions avec l'architecte des bâtiments de France qui nous a accompagnés pour mieux intégrer ce projet dans le paysage. Donc ça c'est une vue du barrage tel qu'il est aujourd'hui, disons avant la pose de l'échafaudage. Et de l'autre côté on voit ce qui est prévu pour la suite. Donc déjà il y aura un traitement de la paroi à la fin des travaux, du sablage pour nettoyer au plus la paroi. Ici vous voyez le photomontage d'un escalier qui n'est pas encore posé aujourd'hui, qui sera l'escalier qui permettra à l'exploitant d'accéder au voile de drainage qui sera posé ici au pied de la voûte. Il y a aussi des petites parties qui n'ont pas été, disons, qui sont pas visibles sur cette image. J'ai parlé au groupe précédent des tirants. En fait, il y a des barres d'ancrage qui transpercent le barrage pour éviter, disons, pour bien le conforter avant d'injecter les coulis de ciment qui permettront de combler les fissures. Donc même la façon de terminer cette partie métallique ici a été discutée avec l'ABF. La version la plus simple, c'était une petite partie de la barre qui ressort du béton de la voûte. Mais finalement, l'option choisie, c'était de récéper la barre à l'intérieur de la voûte et de combler la partie au ras de la voûte avec du béton pour qu'il n'y ait pas de coulure de rouille et donc pas de métal au contact avec l'atmosphère par la suite. Voilà. On travaille le barrage à sa côte de vidange, donc plan d'eau abaissé. Donc pour assurer la continuité de l'eau, il a fallu créer une conduite de dérivation dont on vous parlera après. Mais ici, c'est le croquis de la paysagiste qui a travaillé avec nous qui montrait donc, la conduite que vous voyez aujourd'hui en place, ici sur le flanc droit de la falaise aval. Donc ce qui a été convenu avec l'architecte des bâtiments de France, c'était de l'intégrer au mieux, donc mettant au plus près du talweg existant. Donc ça a été une contrainte technique
technique importante parce qu'il a fallu pas la faire aller tout droit mais cheminer dans le Talweg. La couleur a ici été décidée avec la BEF, donc il y a eu une palette de gris-vert qui ont été choisies dans le bureau et après on est venu faire des essais sur place avec ces mêmes couleurs pour choisir celles qui s'intégraient le mieux dans le paysage. Et là, vous avez aussi une vue éloignée, parce que ce n'est pas que les vues de proximité qui ont été étudiées, parce qu'on est sur un site qui accueille 200 000 visiteurs par an environ. La plupart du temps, c'est des randonneurs qui cheminent ici et qui montent à la Sainte-Victoire. Donc, un des sentiers les plus fréquentés, c'est le sentier Imoucha. Donc, nous, on est sur cette partie de la voûte et le sentier, il monte à la fin de la voûte à gauche. Il y a le début du sentier. Donc, les vues de loin ont aussi été étudiées. Et là, on aperçoit le photomontage de ce que va apparaître la membrane d'étanchéité qui va être posée à la fin des travaux. C'est impressionnant. Je vais faire là. C'est impressionnant. Oui, vous avez vu, hein, c'est. C'est impressionnant. Plus que très fortement. Les circuits, on l'utilise quand le besoin à la base augmente et que la turbine n'est pas suffisante pour passer le débit total. Donc, il y a. Le circuit vidange principal, il fait 1500 carrés, donc c'est un 1,50 m, on passe à un débit de 30 mètres secondes quand le débit au barrage est plein. Et il permet de vidanger le barrage en une dizaine de jours rapidement en cas d'urgence. Ce sont des cas qu'on n'a pas. Mais on se sert également de ce van quand on a la turbine qui est en maintenance, en arrêt pour entretien, et qui on a passé, besoin de passer un débit un peu plus important que ce qui peut passer par la vidange secondaire. Mais après le barrage, on fait tout à fait. On suit les mouvements des vides, des cibles qui sont. On en a une qui est là, il y en a un peu. On a d'autres appareils. Excusez-moi, si vous êtes de déplacement, c'est quel. Alors je vous en parle. On a différents types de déplacements qu'on mesure. Donc on a alors pour les déplacements on a des pendules aussi. Donc le barrage il respire, il bouge. C'est normal. C'est de l'ordre de quelques millimètres. Tu as peut-être plus précis que moi à ce sujet-là. Mais sinon on a des pendules. Alors on vous a parlé, voilà, on vous a parlé du gonflement du barrage par exemple. Donc sur cette courbe on voit depuis les 1975 le gonflement qu'il y a pu avoir, le déplacement, donc les petites oscillations, mais surtout le déplacement qu'il y a pu avoir et jusqu'au début des années 2000 où ça s'est stabilisé. Donc c'est tout ce que vous avez expliqué en haut et là on le voit avec ces appareils-là, avec le pendule qui est là-dedans, que je vais vous montrer. Alors vous salissez pas non plus. Je peux filmer. Ouais, on peut rentrer encore un peu du monde. Il n'y a que des gens minces ici, c'est bon. Mais en bonne voilà. Santé. Voilà.
Donc voici un pendule donc fixé en crête de barrage. Le câble que vous voyez là, il fait 60 mètres de long. Il est lesté en dessous, il arrive dans un petit bassin d'eau qui sert d'amortisseur. Et on vient mesurer par triangulation. Donc là, c'est manuel ici. On vise le petit trou qui est ici, on le positionne de manière à être aligné avec le câble et le cône qui est en face. D'accord. La même chose ici, donc là un petit trou qui est là, on vient viser ici, on le positionne. Et puis là c'est pareil, en altitude, on suit. Ça c'est manuel. Ça c'est pour les mesures manuelles. D'accord. Mais dans un même temps, en dessous, là, tout le boîtier que vous voyez là, c'est automatique. D'accord. Et donc ça permet, la mesure visuelle permet de valider la validité des mesures. Et le tube au-dessus, il remonte à la surface. Il remonte à la crête qui est là-haut. À la crête qui est là-haut, donc il fait 60 mètres à peu près, parce qu'il y a encore 20 mètres dessous. D'accord. Et à peu près. Et bon, vous en avez des différentes longueurs, ça dépend de où sont passés dans le barrage. D'accord. Je vais vous demander de faire une petite rotation. Plein de vidanges, parce qu'on ne les utilise pas comme elles sont. On a un besoin qui est. Elles ne sont pas faites pour. Aujourd'hui, ce sont des vannes de vidange pure, celle-ci. Et on utilise parfois pour, pour réguler quand on a la survie. Et donc, on abîme la vanne. Donc, on change de technologie de vanne, on va mettre une vanne GECO qui permet de réguler et d'avoir un débit souhaité et elle est faite pour ça. Donc, on remplace celle-là et les deux autres vannes que je vais vous amener. Donc, ça, c'est ici juste pour la petite explication. Le moteur qui entraîne la petite chaîne à vélo qui est là, qui entraîne les roues dentées qui sont là, et là-dessous, il y a une grande vis sans fin. Et qui va actionner un papillon. Donc là, il y a encore 4-5 mètres en dessous avec une vis et qui va actionner le papillon de la vanne. On va remonter dans 2 minutes. Allez, je vous montre vite le bout. Donc toutes les vidanges ont le même principe. Une vanne de sécurité avec les vannes de garde en amont qui permet de sectionner la conduite pour si jamais on a la vanne de fonctionnement qui est celle-ci, qui régule. Donc ça, c'est en motorisation, qui venait avoir un problème. Donc toujours une vanne de sécurité qui permet de couper le débit qu'on envoie à la vanne. Donc ces vannes-là, comme toutes, sont également équipées d'un volant de manœuvre, ou une manivelle ou un volant de manœuvre, pour quand il n'y a plus d'électricité, EDF, groupe électrogène ou autre, on puisse aller ouvrir ou fermer aux urgences ces vannes-là. Sinon, on peut les piloter avec ces petits coffrets qui sont là, en local quand on a besoin de faire les manœuvres spécifiques, sinon depuis le bunker comme vous avez cité, ou depuis le CTG à distance là-bas. De réaliser, d'imaginer, concevoir une solution maximale qui soit sécurisée
pour nos compagnons et qui soit modulaire aussi pour pouvoir effectivement s'adapter aux travaux qu'on va faire. Donc cette solution, on en est arrivé à un échafaudage qui est en contrôle, qui nous permet justement de suivre cette courbure, de s'adapter à tous les niveaux et qui peut être démonté n'importe où, pour pouvoir effectivement avoir quelque chose de fiable et de pérenne. Deuxième chose aussi concernant cet échafaudage, c'est comme vous le voyez là-haut, on a des moyens de fourrage qui sont des ce qu'on appelle des glissières. Et en fait, ces glissières donc, dépassent de l'échafaudage et viendraient en conflit avec des poteaux. Si on avait eu un échafaudage classique, type bâtiment, on viendrait en conflit avec les poteaux en permanence. Et donc, du coup, ce serait très compliqué à gérer pour les équipes de travaux. Qui plus est, l'ouvrage a été équipé par la SCP de 114 cibles. Ces cibles, en fait, elles permettent de vérifier les déplacements qu'il y a sur le barrage. Ces déplacements, ils sont vérifiés, notamment pendant les phases d'injection, puisqu'on serait susceptible, avec la pression du coulis qu'on vient mettre à l'intérieur, on y reviendra après, de créer des déplacements. Donc l'intérêt d'avoir de poteaux aussi, ça évite des conflits avec les appareils de mesure qui sont à l'amont et à l'aval, qui mesurent en temps réel des déplacements du barrage.